les aliments cuisinés sont avec 100 cubes. Hein. À base de cubes, mais légèrement, et parfois c'est 100 cubes. Non, je n'aime pas manger. Je déteste le cube. Ah, on est animaté, lui, le cube de la nuit, mais là, il m'a dit, il est fin. Avec plusieurs personnes, je suis obligé de mettre. Aujourd'hui, les gens font des sauces, ils mettent jusqu'à 3, 4, jusqu'à 5 cubes dans une même sauce. Est-ce que vous faites la cuisine sans cubes? Bon, je peux dire que des fois je mets cubes et des fois je ne mets pas. Bon, mais avec plusieurs personnes, je suis obligée de mettre. Là, on a 100 cubes, on a été vivioré. On a été vivioré, on a été vivioré. 100 cubes, maman, nous, on a été vivioré, mais bébé, nous, on a été vivioré, cubes, quoi. Les aliments avec cubes, c'est bien, ça donne du goût. Mais quelque part, d'un autre côté, ça cause énormément de maladies. Le cube, je le déteste, puisque le cube, j'ai appris que c'est quand il y a le moment de la colonisation que les Blancs ont créé ça. Nous, on n'a pas besoin des autres cubes pour vraiment assainir nos repas, leur donner un goût. Nous, on a besoin du cube naturel. Bon, moi, j'ai eu la chance de visiter les entreprises qui fabriquent les cubes. J'ai vu beaucoup de choses quand même, de toutes les façons. Je sais que ce n'est pas propice à la santé. Vous avez vu quoi? Leur manière de fabrication. C'est comment ils fabriquent comment? Ils fabriquent comment, dites-nous? Oh, vous savez que ce sont des secrets professionnels pour les entreprises. Nya nya sans qu'il va ni mater du. Qui vous donne la suite la vie la l'air des non. Tout à l'heure j'ai mangé du foufou avec sauce blanche. Il y avait du cube dans la sauce ou pas? Non, mais j'ai senti la présence de affiti et autres dedans. Et moi ça me plaît parce que affiti c'est des choses qui donnent ce que je peux dire la vitalité en fait. Le client il pense que tu lui offres. Certes, j'utilise du cube, mais pas autant que les autres le font. Aujourd'hui, les gens font des sauces, ils mettent jusqu'à 3, 4, jusqu'à 5 cubes dans une même sauce. C'est exagéré. Les Africains doivent comprendre que le cube bouillon, ce n'est plus adapté à notre consommation d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des aliments qui peuvent remplacer valablement le cube bouillon. Je consomme le soumbala. Chez nous, on appelle ça, je peux donner les noms dans plusieurs dialectes. En Évé, on dit Afiti. En Kabia, on dit Tchotou. En Naoudoum, on dit Dunga. Quand vous pensez un peu à votre santé, le mieux, c'est de cesser et de préserver votre santé. Vous voyez? Mais c'est plutôt facile à dire qu'à faire. C'est plutôt facile à dire qu'à faire. C'est pourquoi je dis, si vous préférez manger cela, et mourir tôt au lieu de cesser de manger et vivre longtemps.